Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Quoi, qu'on y croit ou pas, y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa, et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables, hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais d'où on aurait hérité, c'est ça. Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Papa, dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Are you guys still at Multnomah? Yep, still at Multnomah, still loving teaching there. Really, we were going to check out an idea that we've had for quite a few years. It all started when we were looking at the world of young people. We worked with kids for about 3 decades, and it really seems to us that the world has changed around them. It's a lot harder for kids to get settled than it used to be. It's harder to find love, to get into a house, to find a job. And mostly that's because school has gotten to be so expensive in North America. Now, we wish we could just snap our fingers and make school cheaper, but we can't do that, and so we started to brainstorm how could we help kids. Now, currently, a lot of kids that can't afford 4 years in a big school will go off to community college, and that's great for keeping the bills down, but it can be a time of isolation. Kids are a lot of times alone. Others want to find themselves, see the world, and so they go off to Capenry or YWAM, and those are terrific, but they don't get academic credit normally, so it ends up pushing graduation back and everything else, love, marriage, houses, and that kind of thing. So we had an idea. What if we could take the best of all these three things and create a junior college abroad, an accessible school, maybe just for the cost of a Pell Grant and a Stafford loan, where any kid could come and they could learn in a small group, in a small cohort,
taking classes on the Bible, learning life, but create classes that are fully transferable so that the time is not wasted and that they get full credit for their time. And so about that time, we started looking at real estate, and Leslie did some homework. Yeah, I was looking at Chateau for fun and noticed that there were some amazing deals for some incredible property. So I found about 15 and we went, let's go check them out. These are our top five that made our list for us to consider for a place over abroad. Yeah, they're beautiful and they're even better than they look at the internet. And so, you know, we're thinking about it, we're praying about it, we're wondering if it's a good thing for Multnomah to do, for us to do, and we'd appreciate your prayers and your thoughts.